Saint-Jean, à son frère et à
à sa femme, la femme de son frère, Léon et Codé Calandison, à sa nièce et sa mère, Bianon et Lani, à sa nièce Adèle et son neveu Irénée, son cousin Mathieu, un ami de l'association ATCK France, Andy et Claude, à son ami Michaud, à son ami Liona et Laura, à son ami Karina, à Mireille, et certainement à d'autres personnes qui sont présentes cet après-midi. Nous sommes nombreux, je prends sur moi le fait que nous soyons plus nombreux que le prévoit la loi, et donc je compte sur vous pour respecter les gestes barrières. Donc je vous remercie de ne pas être à une distance de moins de 1 mètre. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Nous allons commencer cette cérémonie en écoutant la biographie de Pierre Silva Singa. J'invite la personne qui doit la lire. Mesdames et messieurs, frères, sœurs, familles et amis, permettez-moi de prendre la parole en ce moment difficile, triste, dans cette église des Saint-Denis de l'Estrée. D'abord pour vous remercier de votre présence et d'autre part, pour rendre un vivant hommage à notre frère, ami Pierre Silva, Nzinga dit Percy. Percy a vu le jour à Léopoldville, à Pierre Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec sa sœur jumelle, Elisabeth. C'était le 23 mars 1952. Il a partagé son enfance et son adolescence avec deux frères et 8 sœurs. Féru de lecture, Percy a toujours été élevé très studieux. Tant à l'école primaire de l'armée du salut du quartier Rankin dans la commune de Kalamou à Kinshasa, qu'à l'école secondaire de la salle centrale de l'armée du salut de la Gombe, où il a décroché son diplôme d'état équivalent du bac français. Amoureux de musique, durant ces années, il a joué de la flûte au foyer Henri Becquet de l'armée du salut et créé même un groupe de musique avec ses amis. Après l'école supérieure de gestion de la Gombe, Percy est venu en France en 1979. Pour suivre ses études en économie d'abord à l'Université Saint-Denis Paris 8, puis il a achevé avec brio son cycle universitaire de la Sorbonne à la Sorbonne, pardon, Paris 1. Il devient expert comptable et monta sa propre société. Et en 1989, il a épousé à l'église Notre-Dame de la Gare
Madame Dominique Saint-Jean, qui nous a quittés il y a déjà 10 ans. Paix à son âme. Percy et père de fille. Sandrine ici présente. Depuis sa plus tendresse enfance, Hergé a été chrétien, alors un chrétien très pratiquant, rempli de foi et d'espérance en Jésus, en Christ, fervent croyant et très pieux. Hergé se rendait au culte chaque dimanche. Clarinettiste, saxophoniste, il a fait maître de cœur au sein de sa paroisse, c'est aussi l'essence de ce recueillement en prière dans cette église de l'esprit en sa mémoire. Veuillez vous asseoir. Le diacre Philippe est en train d'allumer des lumignons qui vont être déposés sur le cercueil dans un instant au nom de son cousin Grand-Toine qui est absent pour cause de maladie, de son beau-frère Jocelyn également absent pour la même raison, au nom de sa fille Sandrine ici présente, de son frère Léon ici présent, de sa nièce Bianou et sa maman Lali, ici présent, son cousin Mathieu et Karina, ici présent. Dans la nuit de Pâques, la lumière du Christ, vainqueur du tombeau, a percé les ténèbres. Pierre est entré dans l'ombre de la mort, que se lève maintenant sur lui la clarté du Sauveur. Amen. Et puis, tout au fond de cette église, vous voyez la croix, avec ce drap blanc qui symbolise la résurrection. Cette croix, eh bien, elle nous dit que le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Que la croix soit donc à nos yeux le signe de son amour pour Pierre et pour chacun d'entre nous. Nous allons maintenant prier pour notre frère. À chaque invocation, je vous demanderai de répéter « Prends pitié de nous ». Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous vois déchirés et abattus, nous ne comprenons plus. La mort de Pierre nous semble une injustice, nous nous tournons vers toi. Tu as connu toi-même le scandale de la mort sur la croix. Permets-nous de redécouvrir la profondeur de ton amour qui nous fait passer de la mort à la vie. Pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. J'invite la personne qui fait la première lecture à s'avancer. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a pris sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix,
Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après le faible peine, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or posé, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils ont pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui veut en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses ennemis. Parole du Seigneur. Grâce. Le Seigneur est mon salut. Le Seigneur est mon salut. De qui aurais-je crainte? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des morts. Le Seigneur est mon lumière et ma lumière est mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur me redit ta parole, cherche ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas. Le Seigneur est mon âme, ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des morts. Espère le Seigneur. Sois fort, prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, en voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Dieu que nous venons d'entendre entre en résonance avec la vie de notre frère Pierre que nous avons entendu résumer tout à l'heure. Et dans la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre de la Sagesse, qui réfléchit sur le mystère de la mort, comment nous pouvons difficilement accueillir ce mystère de la mort, de la disparition physique de quelqu'un, encore plus quand c'est une maladie brutale. Alors l'auteur s'interroge et il nous dit que les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, c'est-à-dire de celui qui n'a pas la foi, ils ont paru mourir et que leur départ est compris comme un malheur. Mais aux yeux de ceux qui ont la foi, ils sont dans la paix. Ils sont dans la paix. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Voilà, frères et sœurs, nous sommes invités sur cette mort terrible à avoir un regard de foi en mémoire du défunt qui était un homme de foi. Lorsque nous avons préparé ses obsèques avec Piano, elle m'a parlé de son intégrité et de sa fidélité à Dieu, du fait que dans sa vie, tout passait par Dieu. Eh bien, Dieu est fidèle en ses promesses. Dieu nous promet, en récompense de la foi, de l'alliance avec Jésus, la vie éternelle. Donc soyons convaincus qu'aujourd'hui, notre frère Pierre nous voit de là où il est et qu'il est dans la paix. Il est dans la paix. Et c'est lui maintenant qui va vous aider, comme il a tant aidé de personnes durant sa vie. Par sa grande générosité, par sa justesse, par sa justice, par son intégrité. La deuxième lecture que nous avons entendue, c'est un psaume. Un psaume, c'est une prière et une forme particulière de prière. C'est une prière qui jaillit du cœur, comme un cri. Pierre, lui aussi, mettait tous les jours la prière dans sa vie. Il mettait sa vie dans la main de Dieu. Et on pourrait dire que ce verset du psaume reflète bien ce qu'a été sa vie. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. N'oublions pas non plus, nous qui restons ici, d'être assidus à la prière. C'est là que nous pourrons trouver l'espérance, c'est là que nous pourrons trouver du sens à tous ces malheurs qui nous frappent aujourd'hui. Et puis enfin, nous avons entendu l'évangile selon saint Matthieu, qu'on appelle l'évangile des béatitudes. C'est un cri d'espérance, ces béatitudes, qui jaillit du cœur de Jésus. Jésus voit une foule devant lui de gens touchés par la maladie, l'injustice sociale, touchés par toutes sortes de maux. Et pourtant, il proclame heureux. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui sont miséricordieux. Heureux ceux qui sont artisans de paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Pourquoi ? Parce que ces personnes, eh bien, elles ressemblent à Jésus lui-même. C'est en quelque sorte le portrait de Jésus et le portrait du chrétien que Jésus dresse dans cet évangile. Et je crois qu'aujourd'hui, Pierre, par bien des aspects, pourrait se reconnaître dans ses béatitudes. Heureux Pierre, parce que tu as été intègre. Heureux es-tu, parce que tu as été honnête, exigeant avec toi-même,
Heureux es-tu parce que tu as été bon, généreux, travailleur. Heureux es-tu pour les combats que tu as menés dans le syndicat. Tu as cherché la justice aujourd'hui et reçois le royaume des cieux. Heureux es-tu pour ta capacité de pardon, ta miséricorde. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur t'accueille et te fait miséricorde. Voilà, frères et sœurs, de quoi nourrir notre espérance dans cette épreuve très grande que vous vivez. Restons habités toujours par le souvenir grand de Pierre. Restons fidèles à ce qu'il a été, par la justice, la justesse de vie, l'intégrité, le sens de la prière et la générosité. C'est cela qui met de la lumière dans nos vies, c'est ça qui nous aide à continuer, à marcher dans l'espérance, en sa mémoire et en la mémoire de Jésus. Amen. Nous allons maintenant élargir notre prière aux dimensions du monde. Seigneur, pour Pierre, pour qu'il découvre celui qu'il a cherché et servi dans la foi, l'espérance et le souci des autres. Seigneur, nous te prions pour les siens, pour sa fille, ses frères et sœurs, ses cousins, neveux, nièces et amis, qui sont dans la peine et qui pleurent aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés et pour ceux qui n'ont pas pu être présents. Donne-nous le courage de supporter cette épreuve et de continuer le chemin dans l'espérance et la foi. Nous prions pour tous ceux qui, comme Pierre, connaissent la souffrance et la maladie. Donne-leur, Seigneur, le courage et la force de garder l'espérance dans leur cœur. Nous prions également pour ceux qui accompagnent les malades avec dévouement. Seigneur, nous te confions le monde que Pierre a souhaité rendre meilleur et plus juste. Seigneur, souviens-toi de ton Église. Qu'elle dise aux hommes l'espérance, qu'elle se fasse proche de ceux qui souffrent et qu'elle marche aux côtés de ceux qui combattent pour un monde plus juste.
ceux qui sont ici et pour tous ceux qui sont partis, pour Pierre et également pour Dominique qui a été inhumé il y a une dizaine d'années dans cette même église. Nous faisons mémoire d'elle également. Nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rappelé toutes les solitudes et que par sa vie plus forte que la mort, il nous assure que nous vivrons. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés, avec Dominique, avec Pierre et tous ceux qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage et qui ont reconnu ton visage, avec l'immense cortège de tous tes saints, en frères, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. De dire adieu à notre frère Pierre. Nous allons nous séparer. C'est un moment de tristesse. Mais il faut, comme je le disais tout à l'heure, que l'espérance reste forte en nous, car nous espérons un jour revoir Pierre quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. Recueillons-nous un instant en pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui, à tout ce qu'il est pour nous et à tout ce qu'il est pour Dieu. J'invite maintenant Pianou à venir dire un mot au nom de toute la famille. Nous avons partagé tant de bons moments quand nous étions ensemble, que toujours comblés des honneurs pour que nous ces années perdent. Je garde la peine en pensant à ce qu'il est. J'aimais tant la couleur de ton rire et la chaleur de ton amour. Je suis triste qu'à la mort nous prive de la présence, mais personne ne pourra m'enlever le souvenir de tous ces moments heureux. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours. Je continue de te parler comme j'ai toujours fait. Le son de ta voix résonne encore en moi. Il reste de toi tout ce que tu m'as offert les bras grands ouverts. C'est un trésor de grand prix qui m'accompagnera désormais toute ma vie, m'apportant joie et réconfort malgré la peine. Tu es parti de mon regard, c'est tout. Tu as quitté cette rive. De l'autre côté du rivage, mes ancêtres, tous ceux que tu as aimés, t'attendent pour te prendre par la main et te mener au Père. En te voyant venir vers eux, ils s'escarment avec joie. Le voilà. Alors avec eux, je dis merci. Merci Seigneur. Merci de m'avoir permis de partager ce bout de chemin avec cet être de lumière dont l'amour réchauffera nos cœurs à jamais. À chaque invocation, je vous inviterai à répéter après moi: prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant Pierre, qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends
l'ombre de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et tu pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà, qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Pierre, notre frère, nous te disons adieu. Jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Nous prions. Maintenant, en mémoire du baptême de Pierre, je vais bénir son corps. C'est le signe de la résurrection, de cette alliance avec Jésus. Nous croyons et nous espérons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi en la résurrection, Pierre, je bénis votre corps au nom du Père et du Fils. Et du Saint-Esprit. Amen. Cette bénédiction, je l'ai faite en votre nom à toutes et à tous. Parce que malheureusement, vous ne pourrez pas passer pour bénir. Mais vous pourrez simplement vous approcher du cercueil sans le toucher, comme les personnes vous expliqueront tout à l'heure. Mon frère diacre va lui bénir également en votre nom. Et à vous bénir. Voilà. Et dans un instant, vous allez pouvoir passer. Mais auparavant, nous allons déposer les lumignons qui étaient posés sur le cercueil devant la statue de la Vierge Marie. Quels sont le signe que nous continuerons à prier pour votre défunt? Et dimanche prochain, à la messe de 10h, dans cette église, qui ne sera pas ouverte au public pour la messe, mais qui sera retransmise sur YouTube, sur la chaîne Saint-Denis Estrée, vous pourrez assister à la messe pour votre défunt. À la fin de cette cérémonie, vous trouverez au fond de l'église une corbeille pour les offrandes que vous voudrez faire pour notre paroisse, pour la soutenir, pour permettre de continuer à vous accueillir dans de bonnes conditions. Prions une dernière fois le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos, celui dont tu sais tout le labeur et le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions, que tout ce qui était saint et grand pour lui soit respecté par ceux qui continuent son œuvre.
Que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal, et que soit reconnu ce qu'il a fait de bon. Par Jésus, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Chers amis, j'étais heureux de vous accueillir ici, que toute marque d'affection, tout geste d'amitié, de solidarité que vous aurez entre vous, soit pour vous signe de cette paix, de cette lumière, de cette espérance qu'ensemble ici nous avons cherché. Allez dans la paix de Christ. Thank you.
Jésus, voici ma prière. Ô Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant prié, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt, quelle joie ce sera quand je les verrai au haut. Moi qui étais Barabbas et lui qui était trois fois saint, mais ce jour-là, il a accepté de prendre ma place. Il est devenu malédiction, afin que moi je puisse devenir saint. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore donné de très très merveilleuses promesses. Et voici ce qu'il m'a dit, mes frères. Ce n'est pas fini, il m'a dit encore. Et qu'un jour, moi il faut, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt, quelle joie ce sera quand je le verrai. Oh, 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 oh. Onkolo Yesu yoka libondeli nanga ye. Onkolo Yesu yoka losambo nanga ye. Tika ngai ete na umela o na liloba ya ntango mpo yango nde komemanga liboso na Yesu mobali oyo ngai nalinga mingi o nano na monate o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu yeyeye. Bon après-midi encore à la famille et aux amis. C'est vrai qu'il y a déjà eu un temps de célébration au niveau de l'église. Mais on s'est dit, on prenait aussi encore un temps de recueillement, un temps de prière avant la mise en terre. Donc déjà, pour ce moment, je voudrais déjà adresser à toute la famille toutes nos sincères condoléances suite au départ de notre frère, notre ami, ou bien même notre papa, pour certains, Pierre, qui nous a quittés. Donc, toutes nos sincères condoléances. Et ces derniers moments, Pierre était avec nous au niveau à l'église, dont nous l'avons connu, côtoyé, accompagné depuis 2018 qu'il est arrivé à l'église. Et donc c'est pour cela que ça c'est aussi un moment pour chacun d'entre nous, un moment de douleur. Et dans ces moments de recueillement, je voudrais tout simplement, ça dit que pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce que nous faisons cette pause? C'est pour rendre les actions de grâce, c'est-à-dire dire merci à Dieu le Créateur, celui qui a créé Pierre, celui qui l'a envoyé sur la terre et celui qui l'a repris, qui l'a rappelé auprès de lui. Donc ce moment sert tout simplement à dire merci à Dieu parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe et qui est l'auteur de la vie. Et donc prenons ce temps pour dire merci à Dieu pour la vie de ce papa, la vie de cet homme, de ce frère, de ce ami que nous avons connu d'une manière ou d'une autre. Et permettons aussi que ce moment puisse se passer vraiment dans la paix, dans la sérénité. Essayons de penser surtout à la famille et laissons
tout ce qui peut nous tracasser de côté, mais permettons que ce moment se passe dans la paix et dans l'amour. Je voudrais prier pour commencer ce moment, parce que je sais que aucune parole, aucun mot ne peut suffire pour apaiser la douleur. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et je crois que, au travers de la prière, le Saint-Esprit console chaque cœur et visite chacun d'entre vous ici présents. Donc je voudrais, pour ceux qui le peuvent, on va juste baisser la tête en signe de révérence et de respect envers ce Dieu-là. Et on va prier pour introduire ce moment. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment. Seigneur, ce temps d'action de grâce, ce temps de remerciement pour la vie de Pierre Zimba. Seigneur, tu l'as envoyé sur la terre, tu l'as rappelé auprès de toi, et en toutes choses, nous voulons te dire merci. Et Père, mais nous reconnaissons également que son départ laisse autour de nous, Seigneur, un vide que seul toi pourras combler. C'est pourquoi, Père, nous voulons te présenter ici chaque cœur attristé. Que ton Saint-Esprit apporte la consolation dont nous avons besoin en ces circonstances. Père, merci d'apporter la consolation à chaque cœur qui est arrivé ici, Seigneur, attristé. Père, nous te présentons chacun. Merci, Saint-Esprit, d'être présent en ce lieu. Merci de visiter chacun. Merci d'apaiser chaque cœur. Merci de remplir chaque cœur, Seigneur, de ta présence. Nous voulons te recommander ce moment. Seigneur, conduis-nous et permets que ce temps, Seigneur, contribue à manifester davantage ton amour. Merci pour ce temps, dans le nom du sang de Jésus. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Amen, c'est tout simplement d'accord avec cette prière. Je voudrais lire quelques versets, parce que une des choses qui nous a marqué, du moins pour, j'ai changé avec sa sœur jumelle, maman Élise. Donc, également, lorsqu'il arrivait à l'église, parce qu'on a encore il avait une soif de connaître davantage qui était son Dieu. Moi je n'ai compte que sur ta grâce. Moi je vais
verrai Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus. Cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie ce sera. Plein de ce quatre matins dans les airs. Malgré les conditions sodomites de ce monde, malgré les conditions, tu deviens de ce monde. Mais moi je ne compte que sur ta grâce, oh mon Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus. Cet homme que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie ce sera quand je le verrai au bout. Oh Seigneur Jésus, voici ma prière. Oh Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'amènera devant Jésus. C'est toi que j'ai tant prié, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie ce sera quand je l'ai vu. Moi qui étais Barabbas et lui qui était trois fois saint. Mais ce jour-là, il a accepté de prendre ma place. Il est devenu malédiction, afin que moi je puisse devenir saint. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore donné de très très merveilleuses promesses. Et voici ce qu'il m'a dit, mes frères.